C'est Julien, bonsoir à vous. J'ai vu quelques visages qui étaient là hier à la conférence que j'ai donnée à Paris de Livre sur mon nouveau livre. Rassurez-vous, je ne vais pas répéter ma conférence d'hier. Je vais changer des petites affaires. Je suis très heureux d'être avec vous. Ce n'est pas la première fois que je viens avec vous ici et je suis très heureux d'y revenir. Moi, je suis du Saguenay, donc je suis quelqu'un du Fjord. Ça va vous paraître bien modeste à côté du grand fleuve qui passe à côté de chez vous. Et vous avez bien raison. Je trouve ça très inspirant. C'est magnifique. Votre environnement est extraordinaire. Bon. Je suis content aussi que vous ayez pensé à m'insérer dans ce cycle, un tricycle, on pourrait dire, qui vous fait voir en quelque sorte des points de vue différents sur la question de la laïcité, dont vous ne vous étonnerez pas qu'on vous répète que c'est un sujet qui est extrêmement compliqué, et c'est une des raisons pour lesquelles il est également très controversé. Alors moi, je vais vous présenter un point de vue qui est différent de celui de M. Rocher, qui est un peu différent aussi de celui de Charles Taylor, parce que quand même, depuis 12 ans, nous avons réfléchi, continué à réfléchir chacun de notre côté, et ça nous a amené à voir un certain nombre de choses de manière un peu différente. Je vais pas insister là-dessus parce que c'est secondaire, et de toute manière, je ne peux pas parler d'un désaccord important avec M. Taylor. On est en gros d'accord sur des éléments très fondamentaux. Mais avec M. Rocher, voilà, c'est pas la même chose. Et je suis un peu mal à l'aise parce que moi, je suis un grand admirateur de M. Rocher. Je suis même un ami très, très proche de M. Rocher depuis longtemps, pour lequel j'ai un immense respect. Et puis Rocher est un monument intellectuel et scientifique du Québec. Il a été mêlé à tous les grands dossiers que le Québec a brassés depuis un demi-siècle et même un peu plus. C'est un homme de jugement, c'est une éminence grise, nous avons tous un immense respect pour lui. Mais néanmoins, sur ce point-là, nous sommes en désaccord. Et ça vous arrive évidemment à vous en parler. Je vais commencer par vous rappeler que, avec l'adoption de la loi 101, plusieurs Québécois ont pensé que la question de la laïcité s'était réglée. D'ailleurs, M. Legault et M. Jolin Barrette ne se sont pas privés de la répéter, c'était même un de leurs arguments, la défense de leur projet, que finalement nous allons régler cette question-là, qui nous divise depuis, nous autres étaient 10 ans, 12 ans, mais en fait ça fait une vingtaine d'années que ça dure. Et tout le monde a aimé cette idée-là, bien sûr, même ceux qui n'étaient pas tout à fait d'accord avec le projet. Si ça doit mettre fin à cette querelle lancinante, bien, c'est un argument qui porte. Mais en fait, c'est pas vrai. Parce que la loi 101, la loi 21, elle touche à un problème en particulier, et je dirais même un aspect d'un problème au sein de plusieurs autres dans la laïcité, qui s'est concentré finalement, il faut bien le dire, lorsqu'on se réfère au débat que nous avons entendu, qui se réfère au problème du port du hijab chez les musulmans enseignants. Le reste, on n'en a pas parlé. Et pourtant, le projet ne s'arrêtait pas à ça. Il interdisait aussi le port de signes religieux dans bien d'autres catégories de personnel, dont il n'a pas jamais été question dans le débat. Tout était centré sur le hijab porté par les dames musulmanes enseignantes. Il reste un champ qui est encore tout en friche. Compliqué, les prières par exemple à l'hôtel de ville. Et encore, on me dit, mais on n'a pas de sondage là, qui permette d'avoir une évaluation très juste, mais on me dit que ça va jusqu'aux trois quarts des conseils municipaux qui récitent encore des prières à l'ouverture de leur session. Alors, il y a tout un champ là, qui reste à aborder. Et c'est à cause du fonctionnement des cours qui traitent les cas de façon individuelle. Il faut que quelqu'un se plaigne pour que la Cour s'y intéresse. La Cour n'est pas un Parlement. Le Parlement pourrait passer une loi qui couvrirait l'ensemble des municipalités, mais avec le système des droits, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Les écoles privées religieuses, on en a très très peu parlé, et on a rien pour avancer dans ce dossier-là, dans une direction ou dans une autre. La querelle des accommodements raisonnables,
toujours bruyant. Les sondages montrent depuis très longtemps qu'il y a toujours deux tiers des Québécois qui sont opposés à cet accommodement, qui souhaiteraient qu'on les supprime carrément. Et les gouvernements s'en sont occupés, mais d'une façon très mal à l'aise, parce que c'est le genre de dossier où un gouvernement peut perdre du capital politique, mais il ne peut pas vraiment en gagner. Donc ce n'est pas le genre de dossier qu'un gouvernement préfère. Le dossier de l'exemption fiscale au profit des églises, voilà un autre dossier très important qui reste à aborder et qui est très important, hein, ce n'est pas un dossier secondaire. Et puis il y a toute la sphère du patrimonial dont on a beaucoup entendu parler dans la cause de la prière avec la ville à Chicoutimi. Parce qu'on ne sait pas définir le patrimonial. Ce qui est patrimonial échappe à l'emprise d'une loi, par exemple, qui interdirait ou qui confondrait la neutralité de l'État ou la séparation d'Église et de l'État. Quand c'est patrimonial, on laisse faire. Hein, les croix de chemin, par exemple, il y en a plusieurs qui sont situées sur des espaces publics qui relèvent de la municipalité, mais personne ne va songer à faire de procès à cause des croix de chemin. C'est un symbole qui est dormant, qui est désactivé. Mais la statue du Sacré-Cœur qui était accrochée au mur du Conseil de Vienne de Saguenay, ben, la Cour a été incapable de trancher là-dessus. Parce que personne ne sait comment définir précisément ce qui est patrimonial et qui ne l'est pas. On dit ce qui est ancien est patrimonial, mais ancien, de quand 1938, est-ce que c'est patrimonial 1944 ou bien le 18e siècle? Alors, il y a une réflexion à faire là-dessus, bien évidemment. J'en viens à la loi 21. Alors, moi, je me suis opposé à cette loi, après en avoir beaucoup parlé avec le ministre avant, qui me faisait venir pour me convaincre, mais aussi pour entendre les arguments, les objections qui lui seraient faites une fois que la loi serait en assemblée parlementaire. Il a bien fait son travail, d'ailleurs. Moi, je suis opposé à cette loi pour deux raisons, pour deux types de raisons. Et quand je dis que je suis opposé, je dois préciser, je suis opposé à cette dimension de la loi qui interdit le port des signes religieux chez les enseignants ou les enseignantes. Parce que tout ce qui concerne l'interdiction des signes religieux chez les agents de l'État qui ont un pouvoir de violence physique contre les citoyens, c'était une recommandation de notre rapport de 2008, et ça, je suis encore d'accord avec ça. Quelqu'un qui a le pouvoir de faire feu sur un autre citoyen, je trouve que c'est un pouvoir absolument exceptionnel, incroyable en fait, et que la personne qui exerce ce pouvoir doit bénéficier d'une crédibilité maximale. Et tout ce qui vient troubler cette crédibilité doit être enlevé. Alors, c'est facile d'imaginer quelqu'un, un policier qui porterait un turban, qui ferait feu sur une musulmane qui porte un hijab, on voit bien qu'il y aurait une arrière-pensée. Hein? Bon. Alors, supprimer les signes religieux dans ce cas-là, à mon avis, c'est ce qu'il faudrait faire. C'est ce qui a été fait. Mais en même temps, pour des raisons qui n'ont jamais été explicitées, la loi étend l'interdiction à toutes sortes d'autres catégories de personnel juridique, les procureurs, les shérifs, les trésoriers, etc. Tous ces gens-là qui, en fait, n'exercent pas le pouvoir de violence, parce que les gens qui travaillent dans des bureaux, qui n'ont pas de contact avec les inculpés ou les prévenus, ceux-là aussi, on leur interdit de porter des signes religieux, mais sans justification. Alors, j'en viens donc à cette partie de la loi qui interdit le port des signes religieux chez les enseignants et les enseignantes. J'ai des raisons d'ordre juridique. De façon générale, il est permis de réduire un droit ou même de supprimer un droit de façon très légitime s'il y a un motif supérieur. Et les tribunaux reconnaissent ça. Les tribunaux ont plusieurs exemples, il y a toute une jurisprudence. Les tribunaux qui ont annulé ou supprimé des droits lorsqu'il y avait des motifs supérieurs. Exemple que nous connaissons bien, la loi 101, qui réduisait ou même supprimait des droits. Les immigrants n'avaient plus le droit d'envoyer leurs enfants à l'école de leur choix. Eh bien, la Cour suprême du Canada a approuvé la légitimité des objectifs de cette loi. Pourquoi? Parce qu'elle a considéré que l'avenir de la culture francophone, du Québec culturel en Amérique, pouvait être compromis. Alors on a jugé que c'était un motif suffisant pour
interdire ou réduire les droits, y compris chez les anglophones. Il y a quelques mois, les tribunaux ont tranché sur une vieille question concernant le port du turban chez les Sikhs qui travaillent sur le port de Montréal. Parce que les Sikhs ne voulaient pas porter le casque de sécurité à cause de leur turban, et on leur donnait à choisir entre leur turban et le casque de sécurité. Mais en fait, on ne leur donnait pas à choisir, parce que c'est obligatoire, le port. Mais les Sikhs protestaient, ils refusaient. Et finalement, c'est allé de tribunaux en tribunaux, et la Cour suprême a décidé que les Sikhs devaient porter le casque sécuritaire. Et qui s'arrange avec le turban, qu'ils en prennent d'autres formules, mais enfin, ils portent le casque. Alors, vous voyez, le tribunal, on peut réduire ou supprimer un droit, à condition d'avoir un motif supérieur. Moi, dans le cas de la loi 101, c'est justement le problème que j'ai. Je ne vois pas les motifs supérieurs. Et je ne suis pas certain que le gouvernement s'est vraiment efforcé non plus d'en formuler. Par exemple, il aurait pu prétexter que c'était une forme d'endoctrinement par les enseignants, par exemple. C'était une forme d'endoctrinement des élèves. Et si le gouvernement avait enquêté ou avait fait enquêter des spécialistes qui sont arrivés à cette conclusion-là, que ça endoctrinait les jeunes, moi j'aurais vu là le motif supérieur pour en effet interdire le port des jeunes. Mais ça n'a jamais été fait. Le gouvernement ne s'est pas soucié de recueillir des données, de faire des études, de consulter. Il n'a pas fait ça. Il aurait pu prétexter du fait que ça introduisait une dysfonction dans l'exercice pédagogique, que c'était anti-pédagogique que de porter le hijab. Il ne s'est pas occupé de ça non plus. Il aurait pu prétexter que c'était une forme discrète de prosélytisme, de façon à influencer les jeunes, etc., que l'enseignant sort de sa fonction, de son rôle. Le gouvernement ne l'a pas fait non plus. Il aurait pu prétexter que ça causait un malaise chez les élèves, pour toutes sortes de raisons. La vision de ce hijab, quelque chose qui n'est pas familier, que ça pouvait intimider les élèves, etc. Il ne s'est pas posé la question, il n'a pas regardé ça. Non. Il aurait pu prétexter que ça introduisait un malaise dans le climat général de l'école. Alors là, ça aurait été une autre façon, à mon avis. Il aurait pu avoir là un autre motif qui aurait justifié l'interdiction. Le gouvernement n'a pas regardé ça du tout. Par contre, il s'est appuyé sur des principes, des grands principes. Il s'est appuyé sur quatre principes, et qui sont qui font partie des considérants de la loi. Premier principe, l'égalité. Ben, ça part mal, parce que, justement, c'était évident que l'interdiction des signes religieux frappait une catégorie de personnel, et une ou deux religions en particulier, et même une, parce qu'on ne voit pas de sikhs qui enseignent à l'école primaire ou secondaire, il n'y a que des musulmanes qui portent un signe religieux à l'école à toute fin pratique. Donc, ça, concrètement, hein, ça visait très spécifiquement une catégorie de personnel. Alors, l'égalité, là, on ne la voit pas très très bien. Le deuxième principe, c'est la liberté. Ça a été formulé sérieusement, que c'était au nom de la liberté. Alors que, justement, la loi consistait à priver de liberté les personnes qui portaient un signe religieux. Il y avait quand même quelque chose de plus que paradoxal. Troisième principe, la neutralité religieuse de l'État. Et là, c'est la même objection que celle que j'ai formulée en rapport avec l'égalité. L'État doit rester neutre, donc il ne doit pas privilégier aucune religion, mais dans ce cas-là, il en condamnait une en particulier. Alors, encore une fois, la neutralité, là, c'est pas convaincant. Et puis, le quatrième principe, c'est la séparation de l'Église et de l'État. Et ce sont tous des principes extrêmement valables, hein. Je ne suis pas en train de les diminuer, parce que c'est en référence à ces principes-là que Taylor et moi, on a défini la laïcité dans notre rapport. Donc, quatrième principe invoqué, la séparation de l'État et de l'Église, qui serait menacée, compromise, par le fait que des employés du secteur public portent un signe religieux. Alors, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Le grand principe de la séparation de l'Église et de l'État, c'est qu'aucun des deux n'interfère dans le champ d'autorité de l'autre. Que l'Église ne se mêle pas des affaires civiles, qui relèvent de l'État, et que l'État ne se mêle pas des affaires de religion. C'est ça le principe de la séparation de l'Église et de l'État.
qui a été conquis au Québec avec la Révolution tranquille, c'est déjà fait, on ne revient pas là-dessus, c'est pas menacé d'aucune manière. Sauf que le gouvernement a cru que du fait que les enseignants portent un signe religieux, ça compromet ce principe-là. À mon avis, ça ne le compromet pas du tout. Ça n'affecte absolument pas ce qu'est le cœur du principe de la séparation de l'État, qui est une séparation des pouvoirs institutionnels. Alors, le raisonnement, c'est de dire que tous les employés de l'État représentent l'État. Ben, vous allez dire ça au concierge de l'hôpital de Chicoutimi, ou au gardien de nuit d'un entrepôt de je ne sais pas quelle multinationale à Rimouski, qui est un représentant de l'État, il n'y a pas une grande nouvelle. Ce n'est pas très évident. Représentant de l'État, c'est par exemple le président de l'Assemblée nationale. Lui, il incarne l'institution de l'État. Et ce n'est même pas les députés. Les députés représentent leurs électeurs. Et ils sont là pour exercer la démocratie en tant que représentants de leurs électeurs. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils peuvent porter des signes religieux pour le bien de la démocratie, au nom de la démocratie. Alors, voilà pourquoi je trouve que cette loi a été passée, du point de vue juridique, à mon avis, gratuitement. Il n'y a pas de raison qui justifiait cette interdiction. Je m'y opposais aussi à la loi pour des raisons sociologiques. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que l'on sort du droit. Le Québec est en train de se couper en deux. La région de Montréal et les autres régions. La diversité se concentre à Montréal et l'homogénéité se concentre dans les régions. Bon, en soi, on n'y peut rien, c'est le mouvement de l'histoire qui a conduit à ce résultat-là. Mais la législation ne doit pas accentuer cette division. Elle devrait au contraire essayer de l'atténuer de diverses façons. Alors, ce qui se passe présentement, vous voyez, politiquement, les dernières élections ont consacré au point politique, au plan politique, la coupure du Québec. La CAQ est très peu représentée dans la région de Montréal. Sa base, c'est dans les régions. C'est extrêmement clair. Et le gouvernement de la CAQ légifère depuis qu'il est là en fonction des régions. Ça, c'est très très clair. Parce que c'est sa base. Hein. C'est son capital. C'est ça qui va lui permettre de se faire réélire. Or, ce qui se produit, c'est que dans la région de Montréal, les immigrants de première et de deuxième génération, première génération, c'est ceux qui sont pas nés à Montréal, la deuxième génération, c'est des enfants issus d'un couple au sein duquel il y a au moins un immigrant parmi les deux conjoints. Eh bien, ces gens-là, dans la région de Montréal, ils représentent 40% maintenant de la population. Et c'est un pourcentage qui s'accroît rapidement, parce que les immigrants entrent rapidement, en grand nombre, et que la fécondité des Québécois de la société d'accueil continue à se maintenir en dessous du seuil de reproduction de la population. Donc, c'est une proportion qui va s'accroître continuellement dans les années qui viennent. Si on restreint l'observation à la population de l'île de Montréal, ben, le pourcentage est 60%. Et on se rappellera que depuis le recensement de 2011, je crois, si ce n'est pas celui de 2001, on apprenait que dans la région de Montréal, les gens qui ont le français comme langue maternelle sont en minorité. Et ça fait déjà au moins 10 ans qu'ils sont en minorité. Autrement dit, ce que je veux dire, c'est que le rapport majorité-minorité du Canadien français, qui procurera une grande sécurité aux francophones d'ascendance dans les régions, hein, parce qu'ils sont majoritaires, donc les minorités ne sont pas menaçantes, etc. Et ce rapport-là est en train de se transformer rapidement. Et il ne faut pas exclure que dans un avenir qui n'est pas si lointain, que le rapport s'inverse, non seulement dans la région de Montréal où c'est déjà fait, mais qu'il s'inverse dans l'ensemble du Québec. Les francophones de vieille ascendance représentaient au-dessus de 80% de la population dans les années 1970, ils en représentent à peu près 70% maintenant. Et il y a donc une diminution qui va s'accroître à cause des deux facteurs là, que j'évoquais tantôt. Est-ce que notre gouvernement, est-ce que nos élites politiques préparent les Québécois francophones à ça, à cette échéance-là, qui va arriver à un moment donné? Alors,
Moi, je ne suis pas sûr. Je suis loin de la tête. Je suis sûr qu'ils ne le préparent pas. Je pense que la réponse est négative et c'est une grande imprudence politique de la part du Québec que de ne pas réfléchir davantage et même d'encourager une prise de conscience de cette échéance-là. Ce qui se greffe à ça, c'est que non seulement les minorités accroissent leurs effectifs, mais à cause de la façon dont les gouvernements se sont comportés, les minorités se dressent contre les francophones, contre la majorité francophone. On a vu ça très clairement au moment de la Charte des valeurs du Parti québécois. C'était la première fois qu'on voyait les immigrants descendre dans la rue à Montréal. Et c'était la première fois qu'on voyait une espèce de coalition entre les minorités. Les juifs et les musulmans se côtoyaient dans la rue à Montréal. Ça, c'est un phénomène qui est très rare. Ici au Québec, là, on a réussi quelque chose de sociologiquement assez difficile à réaliser, parce qu'en général, les groupes d'immigrants, les minorités, ce sont des gens qui sont un peu en compétition, parce qu'ils font des pressions du lobbying auprès du gouvernement, auprès de diverses institutions publiques pour faire avancer leurs intérêts. Et c'est très rare qu'ils se coalisent pour faire avancer l'ensemble de leurs intérêts. Mais là, ils sont coalisés parce qu'ils étaient fâchés contre la majorité francophone. Ça, c'est quelque chose qui est une bien mauvaise nouvelle pour une nation comme le Québec, qui est une petite nation. Avec les éléments de fragilité dont on parle tout le temps et qui, à mon avis, sont fondés, et qui devraient plutôt travailler tout le temps à accroître son unité et sa solidarité. Parce qu'on a besoin de se défendre de toutes sortes de manières, plus que jamais, maintenant qu'on est dans un contexte de mondialisation. Mais nous faisons le contraire. Et là, nous venons encore une fois de faire le contraire avec la loi 21. Et les minorités au Québec commencent à se comporter d'une manière très différente. Parce que les immigrants que nous acceptons, ce ne sont pas des pauvres, des gens qui ne sont pas scolarisés, qui sont un peu perdus dans la société et puis qui se laissent faire. Ce sont des gens qui sont plus scolarisés que nous le sommes. Vous le savez, la proportion des détenteurs de diplômes universitaires chez les immigrants est sensiblement plus élevée que parmi la population de la société d'accueil. Ce sont des gens qui sont très sensibilisés, qui sont très scolarisés et qui n'entendent pas se laisser faire. Et on l'a vu, là, il y a 2 ans, dans la querelle de l'appropriation culturelle, justement, où là, on a vu des immigrants qui non seulement se tenaient debout, mais étaient agressifs, qui nous interpellaient d'une manière extrêmement vive. Et ça nous a surpris. Et là, on a appris qu'on n'était pas tout seul sur la scène publique, qu'on n'était pas tout seul dans le débat, qu'il y avait d'autres partenaires qui étaient là, puis des partenaires qui n'étaient pas de bonne humeur. Hein? Et même que ça nous a choqué un peu de voir ça, sous quel ton ils nous parlent, ces gens-là. Hein? Ça faisait partie de notre réaction. Eh bien, ils n'ont pas fini de nous parler, à mon avis, parce qu'on leur donne plein de sujets pour nous. Ce que je veux dire, c'est que moi, ce que je crains, c'est que, à cause d'abord du contexte de l'arrière-plan démographique que je viens d'évoquer, l'accroissement des minorités, la contraction de la majorité, moi je crois qu'on assiste. Non, je vais formuler autrement, c'est pas correct. Je vais reprendre autrement. Moi ce qui m'intéresse, c'est l'échéance dans les sociétés occidentales, l'échéance démographique d'un renversement des majorités et des minorités. Aux États-Unis, par exemple, il y a 20 ans, des démographes ont commencé à publier des chiffres qui montraient que d'ici 2040 à peu près, les Blancs aux États-Unis seraient minoritaires. Eh bien, la réaction a été épouvantable chez les Blancs. Les Blancs n'ont pas voulu voir ça. Ils se sont fâchés, sont devenus plus racistes que jamais, xénophobes. Ils se sont repliés sur des positions d'extrême droite. C'est ce qui a donné le nouveau parti républicain, avec lequel les démocrates ne sont plus capables de conduire des politiques bilatérales. C'est ce qui a créé le terrain, le terreau, qui a donné naissance à un phénomène comme Donald Trump, ce qui fait dire aux politologues que quand Trump ne sera plus là, il va y en avoir d'autres, parce que la société européenne, la société américaine, est profondément malade. Les Blancs n'acceptent pas cette échéance-là, qui les rendrait minoritaires. Minoritaire par rapport à ces gens-là qu'ils ont toujours méprisés, qu'ils ont toujours discriminés, qu'ils ont toujours considérés comme inférieurs ou de trop dans leur société, c'est-à-dire
les jaunes, comme ils disent, les Asiatiques, et les Latinos et les Noirs. C'était les trois cibles du racisme américain depuis deux siècles. Et ça continue, ça l'est même plus qu'avant maintenant, parce qu'en plus, c'est ces gens-là maintenant qui vont diriger nos institutions, qui vont nous dire quoi faire, qui vont nous gouverner. Ah ça non, ça passe pas, absolument pas. Une réaction terrible aux États-Unis. Prenez le cas de la France. Je ne vais pas prendre plusieurs exemples parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. Mais le cas de la France est intéressant. Il se trouve à l'opposé. Il y a 12% d'immigrants en France. Et qu'est-ce qu'on entend? C'est des auteurs, des phares intellectuels de la France contemporaine. Alain Finkielkraut, Éric Zemmour, parce que lui, on ne dira pas que c'est un phare intellectuel. Mais le grand romancier Houellebecq, et puis ce philosophe-là qui tient une université populaire à Rouen, là, qui... Onfray, voilà, Michel Onfray. Eh bien, ceux-là publient des livres qui sont qui leur ressemblent, qui sont des livres phares, dans lesquels ils décrivent la fin de la France. Ils expliquent aux Français que la France, c'est fini. La France qu'on a connue, la grande France, etc., de la République, de la Révolution, c'est terminé, oubliez ça. La France, elle va être musulmane. C'est ça qui s'en vient. Et puis, il y a quelqu'un, Camus, l'autre Camus, qui, lui, s'est rendu célèbre en formulant la théorie du grand remplacement. C'est-à-dire que les Français qui sont là, qui gouvernent les institutions, qui prennent les décisions pour nous, eh bien, regardez-les bien parce que vous ne les verrez plus longtemps. C'est des musulmans qui vont les remplacer. La théorie du grand remplacement. Et c'est en train de... gagner en rayonnement, etc. Et au-delà du mouvement de Le Pen. Hein. Si c'était juste ça, en tout cas, on se compte. Bon, mais c'est plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Alors, voilà. Moi, je deviens un peu obsédé par ça. Les grandes tendances profondes là, qui traversent nos sociétés, qui les transforment, à mon avis, sans que les Québécois en soient suffisamment conscients et qu'ils nous préparent des jours, des désenchantements considérables si on n'épouse pas nos visions avec la réalité telle qu'elle est et telle qu'elle est en train de se développer. Ça, c'est donc quelque chose que je voulais partager avec vous. Il y a une autre chose aussi dont... je vais vous parler. À mon avis, dans le débat sur la laïcité auquel on a assisté récemment, il s'est produit quelque chose d'extrêmement important. Et je ne vois pas que ça a été encore une fois très signalé non plus. Il s'est produit ce que j'appelle une nationalisation de la laïcité. Jusque-là, dans nos débats, on parlait surtout de la laïcité dans des termes juridiques. Est-ce qu'on a le droit de faire ceci? Est-ce qu'on a le droit de faire cela? Qu'est-ce que les tribunaux vont en penser? Etc. Et les juristes occupaient beaucoup de place dans nos débats. Maintenant, il s'est produit un glissement qui est extrêmement frappant, c'est à mon avis remarquable, et c'est le débat autour de la loi 101 qui l'a consacré. La laïcité, maintenant, c'est un élément de l'identité nationale des Québécois. Là, j'ai dit la loi 101 ? Alors, on va convenir de quelque chose. Quand je dirai 101, vous traduirez 21. Autrement, la conférence va aller pas très bien. Excusez-moi, je sais pas pourquoi j'ai ce lapsus-là, mais bon. Donc, la laïcité, désormais, s'est enveloppée dans le tissu identitaire. Et ça fait partie de la société distincte. Alors, je vais vous dire pourquoi je trouve ça très important. C'est parce que, moi, je pense que, et c'est un chapitre, ça fait l'objet d'un chapitre dans mon livre, là, que Julien a évoqué, mon dernier livre. Moi, je pense que le Québec, depuis deux siècles, a été mu par deux grands mythes, que j'appelle moi des mythes directeurs, là, bon, mais ça, pas obligé de retenir ça, mais des mythes qui sont plus importants que d'autres. Le premier, c'est celui qui consiste à se percevoir, parce que c'est la réalité, on est une minorité. On est une minorité culturelle, fragile, notre avenir n'est pas assuré, et ça fait un devoir à chaque citoyen de combattre continuellement pour la survie de sa culture, du Québec francophone en Amérique. Ça, c'était le cœur de nos luttes nationales, enfin, une grosse partie de nos luttes nationales depuis deux siècles.
Et notre génération, moi je fais partie d'une génération, là, après bien d'autres, qui a été vraiment imprégnée de ça dès l'école primaire. Dès l'école primaire. Hein, on était quasiment obsédés par ça. Alors, maintenant, l'idée de la laïcité vient d'être arrimée à ce grand mythe-là. Ça fait partie de ce pourquoi il faut lutter si on veut conserver notre culture, si on veut conserver notre identité nationale. Ça lui donne une force, à mon avis, extraordinaire. J'appelle ça du piggyback. Deuxièmement, l'autre grand mythe, à mon avis, qui a été le moteur du Québec culturel et politique, c'est celui, ce que j'appelle la reconquête. Enfin, j'appelle ça la reconquête, mais le mot se trouve dans les débats, les discours, depuis un siècle et demi. C'est-à-dire que nous avons le devoir collectif de réparer le mal que la conquête de 1760 nous a fait. Il faut réparer ça. Il faut travailler à une reconquête. Et ça, ça a été la bougie d'allumage d'un tas de, d'initiatives que le Québec a prises. On a parlé de la reconquête linguistique à Montréal, on parle de la reconquête économique, de la reconquête culturelle, etc., pour essayer d'effacer tout ça. Et puis surtout de la reconquête politique qui nous a conduit à ce projet de souveraineté qui finalement est tourné à l'échec. Désormais, la laïcité est également arrimée à ce grand mythe-là. Parce que la laïcité, maintenant, c'est la résistance que nous opposons aux formes contemporaines de la domination des Anglais, c'est-à-dire la Cour suprême, la Charte canadienne et le multiculturalisme. Voilà ce que sont devenus les trois symboles de du vieux colonialisme anglais dont nous souffrons depuis 1760. Double piggyback, si vous me permettez l'expression. Ça donne à la laïcité une force extraordinaire. Ça lui donne une promotion, ça le lance dans une sphère à laquelle il n'avait pas accès. Moi, je me fais interpeller sur la rue, chez moi, ou dans des dépanneurs. Savez-vous ce que les gens me disent? Puis ils me le disent bien tranquillement, sans agressivité, parce que je pense que les gens m'aiment bien, là, ils n'ont pas de raison de me détester beaucoup. Mais ils me disent quand même, pourquoi tu t'es tourné contre nous? Pourquoi t'es rendu avec eux autres? C'est extraordinaire, hein? On parle de laïcité. Parce que maintenant, ça fait partie des luttes nationales, ça fait partie de nos grands mythes nationaux. Alors ça, c'est vraiment quelque chose, à mon avis, qui est remarquable. Et il y a des déclarations de M. Legault qui sont vraiment lumineuses de ce point de vue-là. Par exemple, on lui a demandé une fois de définir ce qu'est un Québécois ou alors comment il définissait son nationalisme. Eh bien, le nationalisme, puis un Québécois, c'est le français, la laïcité, etc. Maintenant, ça fait partie du grand étalon de nos luttes nationales au nom de la société distincte et de notre identité nationale. Ça, je crois que c'est quelque chose qui est assez important et qui va avoir des conséquences très certainement sur l'avenir de la laïcité. Et l'idée que les tribunaux, à un moment donné, pourraient condamner la loi 21 en contournant, j'ai dit 21, hein, en contournant la clause nonobstant, parce que maintenant, il y a des groupes de juristes qui sont en train de réfléchir à ça et qui croient avoir trouvé des avenues, ben, ça va nourrir encore ce que je viens de dire, l'arrimage de la laïcité à nos deux vieux mythes directeurs. Voyez encore les Anglais qui sont contre nous, qui veulent nous éteindre, qui veulent nous dominer, etc., etc. Ça va un peu plus loin que ça. Le juriste Guillaume Rousseau, qui est professeur de droit, à l'Université de Sherbrooke, lui, il met de l'avant une théorie, il l'a publié dans Le Devoir il n'y a pas longtemps, mais il la professe un peu partout, les milieux juridiques en sont informés, une théorie selon laquelle, au Québec, en matière politique et parlementaire, on ne relève pas de la tradition anglophone, on relève d'une tradition européenne. Jusque-là, on peut être d'accord, bien qu'on relève également de la tradition anglophone, c'est un métissage qu'on a au Québec. Bon, enfin, alors comment il définit ça? À quelle conclusion il en vient? Il dit que selon cette tradition européenne dont nous faisons partie, les parlements, les institutions parlementaires ont préséance sur les tribunaux. Autrement dit, du moment qu'une loi est adoptée par la majorité en Assemblée nationale,
et leur priorité sur les jugements des tribunaux. Donc ça veut dire aussi une priorité sur les chartes. Alors que les chartes, c'est supposé être, le dessein à l'intérieur duquel l'exercice de la démocratie va se faire à l'intérieur de l'Assemblée nationale. C'est supposé délimiter le champ d'exercice de l'exercice démocratique. Pour qu'il n'abuse pas, pour que le Parlement ne viole pas lui-même des articles de la charte qu'il a votés unanimement. Alors, c'est des juristes qui soutiennent ça, là. Mais c'est dans la logique parfaite de ce que je viens d'indiquer. Et là, c'est très dangereux, ça. C'est extrêmement dangereux. C'est introduire une confusion dans la notion de majorité. Si la majorité qui s'exprime à l'Assemblée nationale, c'est la majorité ethnique dont je parlais tantôt, qui est celle des régions, l'avenir de Montréal et de la diversité n'est pas très assuré, là. Moi, je serais extrêmement inquiet d'entendre professer une vision comme celle-là, une théorie comme celle-là. En tout cas, il n'y a pas un Parlement qui fonctionne comme ça, du moins en Occident, là où il y en a. Il n'y a pas de démocratie qui fonctionne comme ça. Partout, il y a des tribunaux qui surveillent les actes des parlements et qui, à la demande des citoyens, vont les examiner, soit pour les approuver, soit pour les rejeter. Et à ce moment-là, les parlements n'ont plus rien à dire. C'est le cas en Angleterre, c'est le cas en France, dans les autres pays européens, c'est le cas partout où il y a de la démocratie. Ce que l'on voit, par contre, c'est des démocraties, des parlements, qui essaient d'infiltrer le pouvoir des tribunaux en nommant des juges qui leur sont favorables et qui vont faire le jeu. Bon, ça, bien sûr. Ça, c'est des tricheries. On appelle ça des tricheries, d'ailleurs. Hein? Bon. Alors, voyez jusqu'où ça va. Ce n'est pas des choses théoriques, là. C'est des choses qui peuvent conduire à des résultats qui sont un peu redoutables. Alors, le nouveau nationalisme de M. Legault, ça aussi, c'est extrêmement intéressant, dans lequel il enveloppe la laïcité. Moi, je pense que depuis le référendum de 1995, les Québécois francophones avaient l'impression qu'ils avaient assisté non seulement à la fin de l'idée de la souveraineté, mais à la fin du néo-nationalisme. Le nationalisme québécois était la victime de l'échec référendaire. Et là, M. Legault est en train de ressusciter le nationalisme. Et ça fait plaisir aux Québécois francophones. Ils sont contents de voir que maintenant, ils ont l'impression de se tenir debout contre l'anglophone, contre les intrusions du fédéral. Enfin, nous débattons pourquoi. Alors, comment M. Legault, concrètement, définit-il son nationalisme? Eh bien, il le définit par l'autonomie, protégeons notre autonomie, protégeons notre culture, notre langue, protégeons notre laïcité, protégeons les décisions de notre Parlement, etc. Qu'est-ce que c'est ça? C'est Duplessis. C'est absolument Duplessis. Il n'y a pas de concret, de projet mobilisateur pour une société là-dedans, comme l'était le néo-nationalisme du temps des grands jours du Parti québécois et même des grands jours du Parti libéral. Il y avait des grands projets de transformation de notre société. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont mobilisé la jeune génération et ça a conduit à des réalisations considérables. Mais là, qu'est-ce que c'est, là, les grandes conquêtes auxquelles une définition comme celle-là nous promet? C'est la victoire sur le hijab des pauvres musulmanes qui enseignent dans nos écoles. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on a accroché au mur comme triomphe. Hein? Et quel est le contenu? Où est-ce que ça conduit, les prémices que je viens d'évoquer, là? Où est-ce que ça nous mène comme grand projet collectif? Mais comme ça s'adresse tout le temps à la base électorale des régions homogènes, ça fonctionne. 75% d'appui à la loi 21. Ils adorent la CAQ. Ils retrouvent une sécurité qu'ils avaient perdue. Et là, je dirais même, quelque chose qui n'est pas du tout méprisable, ils retrouvent un sens de la dignité qu'on avait perdue depuis l'échec de 95, qui avait donné libre cours à l'arrogance du gouvernement fédéral, qui se souciait même plus du Québec. Les ministres chargés des relations entre le Canada et le Québec depuis 20 ans, ils n'ont rien fait. Saviez-vous que c'est Trudeau qui est responsable de ça depuis 4 ans? Il n'a jamais dit un mot, il n'a jamais rien fait du tout, il nous ignore comme si on n'existait pas. Alors là, les gens se disent, c'est fini ça, cette humiliation-là. Nous sommes de retour. Mais sur quelle monture?
Ben, tout le monde sûr, à mon avis, qu'il va nous mener dans des chemins qu'on va trouver désagréables. Et ça nous prépare des journées qui vont être, oui, en effet, désagréables, parce que inévitablement, les tribunaux vont se prononcer sur la loi 21. Et ce n'est pas la politique qui va le faire, parce que les politiciens ne voudront pas oser à Ottawa perdre du capital politique là-dedans. Ils vont plutôt laisser faire les tribunaux. Est-ce que notre Parlement à Québec, comment il va réagir? Est-ce qu'il va, il va s'objecter aux décisions des tribunaux? C'est ce que voudrait le juriste dont je vous ai parlé, là, Guillaume Rousseau. Jusqu'où ça conduit, ça? À quoi le Québec va-t-il ressembler dans le monde? Ben, il y en a que ça fatigue pas, ça, l'image du Québec dans le monde. Ça, les... Moi, ça me fatigue. Moi, ça me fatigue. Bon, en tout cas, je vous laisse un peu là-dessus. Là. On pourra aller plus loin, mais je ne le ferai pas. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Alors, j'ai deux choses à vous dire avant de terminer. Il me reste combien de temps? Est-ce que vous êtes distraite ou bien vous... Oui, on est rendu là. Hein? Je lui ai demandé de me faire signe quand il me resterait 10 ou 15 minutes. Je n'ai pas dit que j'arrêterais pour autant, mais c'est bon de savoir qu'on est en retard quand même. Je vais vous dire deux choses. La première chose, vous allez trouver que c'est... ça n'a pas tellement de rapport avec ce dont on vient de parler, mais pour moi, c'est quelque chose qui commence à m'obséder. Au moment où nous parlons... Et je vais vous donner au revoir. Je ne sais pas grave. Au moment où nous nous parlons, les experts du climat prévoient que dans 30 ans, 30 ans, là, c'est pas loin, ça. Hein? Ceux qui ont 20 ans, là, pensent que 30 ans, c'est loin. Mais vous avez raison, parce que vous allez avoir 50 ans dans 30 ans. Vous allez les voir passer. Mais 30 ans, c'est pas beaucoup, là. 30 ans, si on va en arrière, c'est 1990. C'est pas si loin que ça. Hein? Eh bien, dans 30 ans, à cause de la... du rehaussement des eaux, des océans, et à cause de l'intensification de la quantité de CO2 dans l'air, il va y avoir des inondations de 30% de l'espace planétaire. Le tiers de la planète, c'est beaucoup, ça, hein? Bon. Il va aussi y avoir une désertification de l'équivalent de la moitié de l'Asie. En Afrique seulement, il va y avoir 2 milliards de personnes en 2040 ou de 2050. Et en Asie du Sud-Est, à peu près autant. Qu'est-ce qui va arriver de ces gens-là? On est un peu traumatisés là, par les réfugiés là, qui arrivent par la mer Méditerranée, par barque où ils sont une centaine, des fois 200, des fois 50. Et puis, on a raison de l'être. On voit bien là, ce qui se passe. Ils périssent en mer ou alors ils sont maltraités en arrivant en Europe, etc. Quand ils ne sont pas maltraités déjà avant de partir chez eux ou en cours de route. Mais combien... Il va y avoir une pression extraordinaire qui va s'exercer sur l'Occident. Il va y avoir un surplus de réfugiés incroyable. Là, ce ne sera plus des dizaines de milliers. Ça peut être des centaines de millions qui vont vouloir survivre, qui vont être prêts à faire n'importe quoi pour éviter de mourir là où ils sont. Forcément, ils vont se tourner vers l'Occident. Mais là, c'est évident que l'Occident ne pourra pas absorber une pareille masse humaine. Il faut être réaliste, hein? On ne s'attend pas à ça, puis on ne demandera pas ça non plus. Mais il va y avoir inévitablement une pression extraordinaire qui va s'exercer sur l'Occident, notamment par le fait qu'à nos frontières, parce que là, on va en bâtir des murs, c'est sûr, partout, eh bien là, on va venir mourir, là, des dizaines et des dizaines de milliers de ces réfugiés-là. Et puis, on va entendre de nouvelles, tous ceux qui sont morts parce qu'ils n'ont pas réussi à se sauver. Mais c'est ça qui va arriver. Je ne suis pas en train de... Je ne peux pas le faire le bonhomme 7 heures, là. C'est les experts du climat qui nous disent ça et qui nous répètent ça tout le temps. Mais on ne veut pas les entendre, je crois. Ou on les entend, mais on ne veut pas vraiment tirer les conséquences qui sont rattachées à ça. Alors, moi, quand je vois, là, je nous ramène à nos affaires, quand je vois notre gouvernement qui passe la loi 21 pour dresser nos petites minorités contre notre petite majorité, leur donner des raisons de se fâcher, est-ce que ça nous prépare bien, nous, de la majorité, à ces grands horizons-là qui s'en viennent, là, dans 30 ans, encore une fois, là, c'est pas dans 3 siècles, c'est dans 30 ans. Comment on va réagir? En tout cas, moi, c'est une affaire qui m'inquiète. Je ne vais pas forcément vous enlever le sommeil avec ça, mais quand même, moi, c'est quelque chose qui, vraiment, là,
J'ai de la misère. En tout cas, je réfléchis plus de la même façon à nos problèmes maintenant que j'ai ça là, derrière la tête. Je vais vous passer un test en finissant. Moi, je suis un professeur, après tout. Vous avez plusieurs étudiants. Il y a des professeurs aussi, ça va leur faire du bien de passer un test aussi. Hein? Bon. Je vais vous donner des extraits de quelques sondages qui ont été faits il y a 2, 3, 4 ans. Et quand j'aurai fini, je vais vous demander d'identifier le pays dont il s'agit. Vous êtes prêts à jouer? Alors, allons-y. C'est un pays dans lequel 37% de la population, enfin des gens qui sont sondés, trouvent que leur pays reçoit trop d'immigrants. 37%. C'est un pays dans lequel 60% des gens pensent qu'il faudrait assimiler les immigrants. C'est aussi une société dans laquelle les gens de la société d'accueil, 65% des gens, sont sûrs qu'ils vont devenir minoritaires très rapidement et que donc il faudrait ralentir ou arrêter l'immigration. Il y en a 65% qui pensent que l'État s'occupe des minorités puis qu'il ne s'occupe pas de la majorité. Il y en a 42% qui pensent que l'immigration menace la démocratie et à peu près autant qui pensent que l'immigration menace l'héritage chrétien. Je continue encore un peu, ne bougez pas. Il y en a la moitié qui pensent qu'il y a trop d'immigrants qui ne pourront jamais s'intégrer et que ces minorités-là vont devenir dangereuses. Il y en a 38% qui estiment que le pays ou la société est allé beaucoup trop loin dans la promotion des droits égaux pour tous les citoyens, incluant les immigrants. On accorde trop de droits aux immigrants. Il y en a 38% qui pensent ça. Il y en a 61% qui pensent qu'on accorde beaucoup trop d'accommodement aux minorités. Et il y en a entre 30 et 50% selon les sondages qui jugent très négativement la diversité ethnoculturelle. De quelle société s'agit-il? Ah, gênez-vous pas, là. Il n'y aura pas de sanctions. L'Allemagne. Le Canada. La France. La France. Le Québec. Le Québec. Encore 15 secondes pour ceux qui hésitent à le dire parce qu'ils pensent que ça va faire rire les autres. En général, c'est les réponses les plus intéressantes. Vous voulez en donner deux, vous, monsieur? Non, vous en avez déjà donné une. J'ai entendu les États-Unis. Pardon? J'ai entendu les États-Unis. Les États-Unis. Les États-Unis. L'Italie. Personne n'a mentionné la Bosnie ou la Serbie, non? Ou l'Albanie ou le Kazakhstan? Vous, monsieur, vous avez la bonne réponse. Canada anglais. Vous le saviez? Non, mais... Mais vous avez un esprit un peu tordu. Ben, monsieur, vous avez raison. Vous allez arriver le premier de la classe. Canada, le Canada anglais. Qui penserait ça? C'est la société qui se donne continuellement par la bouche de ses intellectuels, de ses premiers ministres, etc., comme le modèle moral mondial que tous les pays devraient limiter à cause des succès qu'elle a remportés dans l'intégration des immigrants, à cause de la décence, de la générosité dont elle fait preuve à l'égard des étrangers. C'est un discours qu'on entend tout le temps, et on l'entend d'autant plus qu'en général, il y a comme un contre-discours qui est adressé aux Québécois, hein, pour dire que le Québec, c'est le contraire. Ben, c'est quand même étonnant, là. Comment se fait-il qu'il y ait un tel écart dans une société entre le discours officiel, c'est-à-dire celui que tiennent les institutions, par exemple, les élites, les leaders politiques, etc., et les sentiments de la population elle-même. La question est importante parce que, en dépit de ça, ça fonctionne, ça marche. Il n'y a pas de contestation du multiculturalisme au Canada anglais. Il n'y a personne qui ose le faire. C'est devenu un mythe, selon ma définition.
c'est-à-dire une valeur sacralisée. Valeur sacralisée, on ne peut plus toucher à ça. Et ceux qui le font, justement, sont l'objet de sanctions de toutes sortes de nature. Mais ce qui fait que ça fonctionne. Alors, c'est compliqué, une société, hein? C'est très, très compliqué. Eh bien, je vous remercie.